Salut à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je ne suis pas policier, ni gendarme, ni pompier ou ni médecin du SAMU. Et aujourd'hui je suis tout simplement Michael. Et notre mission aujourd'hui ça va être en fait de conduire une voiture de sport et d'éviter des contrôles routiers, donc la police et gendarmerie, et d'éviter au maximum les arrêts. Donc en gros c'est une poursuite au risque. Donc le véhicule, le voici. C'est une Ferrari Alperta 2017. Donc autant vous dire qu'elle a de la patate. Bonne voiture. On va essayer de rejoindre une patrouille ou sinon d'aller dans un commissariat. Du coup, vu qu'on n'est pas de la police, on peut faire n'importe quoi. Aujourd'hui, je suis délinquant. Est-ce qu'il y a du monde dans le commissariat? Oui, il y a du monde. Voilà, point d'étoile. Allez, c'est parti. Je suis désolé si je parle pas beaucoup, mais je vais essayer de me concentrer au maximum sur la route. Je pense qu'avec un véhicule comme ça, ils vont moins faire les malins quand je serai sur l'autoroute. À l'arrière est quand même déjà pas mal animé. Oh. Ah ouais. Ah ouais, quand même. C'est toujours Victor qui arrive à rouler plus vite que moi. C'est bien. Putain, la voiture à l'arrière est tout bouffée. Ah ouais, là je l'ai bien. Comment je pourrais que je trouve quelque part pour refaire le véhicule en état. Là, du coup, j'avance plus.
trouver, on va se mettre sur une place d'hôpital. Et du coup, on peut faire le... Voilà. Du coup, on va se dire qu'une fois que pour réparer le véhicule, il faut que j'aille dans un hôpital. Les 4 étoiles, on peut arriver. Ils sont déterminés là derrière. Je veux avoir ma peau. Bon, ça peut faire déjà moins de 5 minutes qu'on est en pleine poursuite. Et on va prendre un peu d'avance. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bon. On va prendre l'autoroute. Allez, il y a une patrouille devant, on va la rejoindre. Quatre étoiles en moins de 10 minutes. Nickel. Oh là, non, je vais faire le tour là. Le jour commence à se lever un peu, tu vois. Oula, olé. Attends, les hélicos de la gendarmerie, là, ils me tirent dessus. Ça va pas durer longtemps. Route.
durant la poursuite. Bon, on arrive à 10 minutes. Tu vois, elle fait une triste tête. Ah ouais, j'ai ma roue gauche avant qui est touchée, parce que là, je dévie. J'espère arriver très rapidement dans un hôpital pour réparer la voiture. On va essayer d'aller à l'hôpital de Paleto. Il y a deux hélicos qui suivent. Voilà. Nickel. Oh, on est tué quand même pas mal. À 13 minutes. Je sais pas pourquoi il y a la police qui vient en aide. Ah mais c'est le SWAT. Allez, un autre hélico. J'espère pouvoir arriver nickel dans l'hôpital, parce que là, la voiture, elle va pas durer longtemps sinon. Aïe. Nickel, allez, on repart. L'hélico de la gendarmerie là, ouais. Allez, on fonce.
un joli petit bruit quand même. Aïe aïe aïe. Ouais, je les ai fait renverser. Mon compteur kilométrique pour voir combien je roule. Que je regarde devant moi, sinon je vais partir dans le décor. Et l'intérieur est comment? Ah ouais, je dis. Gauche ou tout droit? À gauche. Oula, le virage était dur. Dans 2 minutes, on arrivera à 20 minutes. On tient le coup. Dans les prochaines vidéos, quand je serai en police ou gendarmerie, j'espère que je ne vais pas devoir la. Ah, ça y est. 18 minutes 49. Bon, bah, du coup, on va reprendre une. Refaire une tentative. Trois étoiles.
Ah ouais. De voiture, j'en ai tiré une balle. Je pense qu'en réalité vous aviez plus haut que ça, mais bon. Voilà, je les ai bien secoués. Ma voiture, ça va encore. Je vais pas passer au garage, je pense. À l'hôpital pour la réparer. On va en bon état, donc ça va. Bloqué. Bon bah du coup je pense qu'on va se laisser là pour cette vidéo. Ça aura fait, bon, la première course poursuite surtout a été la plus importante, elle a duré un peu plus longtemps que la deuxième, mais du coup bah, voilà, j'en ai quand même tué quand même pas mal de gendarmes et policiers. Bon bah du coup à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao, bye bye.